Pierrot, quand on fait un coup de trop la veille, le matin, on se réveille mieux ou pas? Bah, a priori, c'est pas moi qui n'ai pas réveillé parce que j'en ai gagné 4 hier. Excuse-moi. Donc tu te réveilles mieux? Non, c'est pire. Faut pas en gagner 4. Elle te plaît cette casquette d'entraîneur? Ouais. Ah ouais, ça me plaît entièrement. Ouais. De toute façon. Ouais, ça me plaît. C'est... Quand je suis comblé, on gagne des courses, l'écurie ça marche bien. Apparemment les propriétaires sont pas mécontents, mis à part quelques-uns qui se sont défilés. Donc voilà, après ça fait partie du jeu, ça fait partie de tout cet ensemble qui ça fait partie des mauvais moments quoi. On n'aime pas que quand les gens arrivent chez toi, on aime bien les conserver quand même une paire d'années. Et, enfin, je pense. Au moins ça me forge un peu le caractère par rapport à ça, parce que j'en ai déjà assez. Alors. Mais ouais, de toute façon après on va avoir des coups, hein, on va avoir des mauvais coups et des bons coups. Hein, il y a des chevaux qui vont arriver à la maison, il y en a d'autres qui vont repartir. Ça fait... C'est ça. Psychologiquement, c'est dur quand même de perdre un propriétaire. Ça dépend des circonstances peut-être aussi. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est dur parce que moi je travaille pour eux, hein, c'est mes clients, j'essaye de faire du bon travail. Et, quand tu fais du bon travail, les chevaux quand ils partent. Bonjour. Les chevaux quand ils partent, ça te fait chier quoi. Surtout qu'en plus c'était des bons chevaux. Alors ça fait doublement chier. C'est comme ça. Maintenant faut tourner la page. Ça ne m'a pas empêché de gagner les courses par la suite et ça ne m'empêchera pas d'en gagner encore et puis surtout de dormir. Après voilà, on saura faire avec. Pierrot, c'est bon, tu peux arrêter de travailler, j'ai filmé, c'est dans la boîte. Ok, merci. C'est bon? Il a pas grandi, là, Uriel Speed? Bah, je crois pas. Il a pas fait de la croissance, là? Ouais, à peine, ouais. Il est un peu dégarroté. Mais son garrot, il vient de sortir, là. Il est vachement tardif, hein. Ouais. Il est vachement tardif, le petit gars. T'as 20 ans, Tu remportes le prix de Cornulier avec Arcadia. Est-ce que à cet instant tu mesures l'écho de ce succès à ce si jeune âge? Pas du tout. Et puis en plus c'était une super aventure à ce moment-là parce que avec Arcadia, je l'avais monté deux fois auparavant, j'avais été troisième et second, ensuite gagné le Cornulier. Et j'ai pas eu d'écho du tout parce que en plus l'année d'après je suis descendu aux enfers alors ça n'a rien donné. C'est-à-dire? Je crois que 97 j'ai dû gagner deux courses montées, 98 pareil, catastrophe quoi. T'avais chopé le melon? Je pense pas, peut-être bien que oui. Non mais je travaille toujours pareil. Le lendemain d'avoir gagné le Cornulier, à 7h j'étais à l'écurie. Non, ça avait rien changé. Maintenant, peut-être que les gens ont cru que. Je sais pas, ils m'ont peut-être regardé d'un air différent. Ou je les ai peut-être regardés différemment aussi. Peut-être. Hein, peut-être quelque chose. Il y a eu un élément déclencheur, mais lequel je ne connais pas.
Moi, je vois bien mon avenir. Ça fait 2 ans qu'on est installé. La première année, on a gagné 25 courses. Cette année, on est à 30 courses. En tant que driver, que cash driver, j'ai fait 3 super années. Ces derniers jockeys, je remonte un peu plus que par le passé. Voilà quoi, je suis comblé. J'ai une petite famille bien charmante. Mes 2 filles, elles sont en forme, elles ont la santé. Voilà quoi, on est heureux. Alors je vais te poser la question différemment. J'avais préparé une autre question. Tu vas peut-être voir où je vais en venir. En 2015, le Grand Prix de l'UET passe de 400 000 euros à 350 000 euros. C'est une baisse des allocations donc de 12,5%. Est-ce que tu t'attends à une baisse générale des allocations de course dans un proche avenir et comment vas-tu y pallier ? Comment on va y pallier ? On va en planter des patates dans le milieu ? Plus sérieusement ? Comment il va pallier ? Je sais pas. Maintenant, il va falloir voir l'évolution de tout ça. Tu t'y attends quand même à ce que les allocations de course baissent ? Je m'y attends, oui, parce que de toute façon, je pense qu'on est arrivé au summum des allocations qui pouvaient nous être versées. De toute façon, ça peut pas être. On peut pas être au soleil tout le temps. Maintenant, comment il va pallier ? Je sais pas, il va falloir. Il va falloir trouver des astuces. On va quitter la France. J'ai l'impression que par rapport aux professionnels, c'est vraiment une question super tabou. L'avenir non, des cours, c'est... Non, c'est pas tabou. C'est. Mais moi, franchement, là, je suis en train de vivre quelque chose de formidable. Quoi. Je viens de m'installer. Et là, tu me casses les couilles en disant demain il va plus y avoir de course. Alors arrête, à quoi ça sert ? Mes 2 camions je les revends et puis voilà quoi. Non, j'ai pas envie de penser à ça, j'ai envie que la machine marche encore un sacré moment et j'espère qu'on va y pallier. Le président du PMU a raison, il faut absolument. Il faut absolument se bouger le cul. La phrase qu'il ne faut surtout pas dire en ce moment, c'est. La phrase qu'il ne faut pas dire en ce moment. J'en sais rien, je sais pas. Ce qui m'énerve au cours, c'est. L'hypocrisie, ouais. Si j'étais le grand patron des courses, ma première mesure serait. Première mesure, grand patron des courses. D'essayer d'arranger pas mal de choses. Je regarde tous les jours à De Turf parce que. Parce que je suis un vrai passionné par ce reportage, ce reporter. Parfois je fais des conneries, mais... Mais je les assume. J'arrêterai le métier le jour où ? Où j'aurais plus la flamme. J'aurais plus la flamme, j'aurais plus envie de me battre. Ou alors tout simplement parce qu'il n'y aura plus de course. J'aimerais échanger ma vie contre celle de. De personne. La famille, c'est. C'est formidable. Pierre Yverva. C'est compliqué, la famille. Pierre Yverva n'est pas toujours au top, mais. Je suis souvent au top. Si, je suis souvent au top. Mais quand ça va pas, une bonne nuit de sommeil et c'est reparti. What can I do? I'm addicted to you, to you, to you. Oh.
addicted to you, to you. I don't know just how it happened. I let time.